Je suis une personne ordonnée. On appréciait mon sens de l'ordre, au château, à la mairie et chez le docteur. Et de la propreté, cela va de toi. J'ai été une personne ordonnée. On ne pourra rien me reprocher. Et propre naturellement. Le matin, j'ai repassé mon chemin, ma jupe plissée, et à mi-donner mon chemisier, chemisier à fleurs du dimanche. J'ai également mis une culotte propre, bien que ce fût mardi. Je suis une personne propre. Mais j'ai gardé la culotte sur moi. J'ai juste déposé mon chemisier bien dans les plis, à côté de ma jupe plissée et de mes chaussures noires sur gravier. Je suis une personne ordonnée, donc les chaussures, à droite la jupe, et encore à droite le chemisier. Je suis donc rentrée dans l'eau avec ma culotte toute propre, mais sans soutien-gorge. Ma poitrine n'a pas besoin de soutien. Ainsi, quand les pompiers de Landon m'ont sorti du lac des Bleuets, avec le docteur de Lemoine pour l'autopsie, le Fabrice, mon mari, pour reconnaissance du corps, le Reboul, adjoint au maire, pour l'acte de décès, et le fils Lespinasse qui passait à vélo, et le Georges Vinchon qui était dans le champ. Ils ont pu admirer ma culotte toute propre. Ils ont vu, une dernière fois vu, ma poitrine blanche, mes seins blancs et fermes encore, lourds peut-être, trop lourds pour eux. Ouais, ils ont vu ces seins. Le Serge Lemoine qui me pénétrait le vendredi sur la table de et en ville, le Reboule Paul dont je suçais le sexe, noueux et tordu le mardi dans son bureau, et dont j'avalais le sperme lourd. Oui, ils ont vu ses seins, le Fabrice que je chevauchais le soir, grinçant, le petit Lespinasse, mon toufou, qui me giclait, dans ma touffe épaisse qui me giclait entre mes deux seins que je pressais. Et même le Georges Vinchon que je rejoignais le lundi dans la grange au foin me faisait des choses dégoûtantes. Moi, propre et ordonnée, personne réputée propre et ordonnée, j'aimais. Les aimais, ces sexes durs qui me pénétraient qui s'enfonçait dans mon sexe humide et ruisselant, dans mes fesses offertes, dans ma bouche. Oui, je les aimais, ces sexes. L'épais sexe du Georges Vinchon qui me fouillait au tréfonds et m'arrachait des cris inouïs. Le sexe dénulé avec un losange de peau plus claire de Paul Reboul, qui lâchait son jet chaud, acre dans ma bouche, et que j'avalais au tout fond, à l'intérieur. Le sexe malhabile, qui restait toujours dressé, et même le sexe rabougri de mon mari. Je l'aimais, ce sexe se ratatinait dès qu'il sortait de moi. Je les aimais, tous ces sexes. Des hommes et ces hommes. Puis ces choses, toutes ces choses qui me faisaient les hommes. Ces hommes rassemblés une dernière fois autour de mon corps. Georges Vinchon, le Serge Lemoine, le Paul Reboul, le fils Lespinasse, le Fabrice. Ces hommes, purs admirés. Ils sont pas. Poitrine ferme encore, lourde, mais ferme encore. Le sein blanc qu'il dédaignait maintenant, qu'il refusait d'embrasser, de toucher, tâter. Ces deux seins que depuis des semaines et des mois, il ne voulait plus caresser. Ces deux seins, encore fermes, fermes quoique lourds, leur arrachèrent une ultime érection. Comme l'hommage du souvenir, de la mémoire des plaisirs partagés. L'adieu de ces hommes aimés et ingrats à une femme aimante.